Le 27 mai aura lieu le marathon de Royan. L'objectif sera simple, faire tomber la barrière mythique des 3 heures sur la distance reine. Je vous emmène avec moi tout au long de cette préparation sur 13 semaines. Bienvenue dans le premier épisode d'Objectif 3, le marathon dans la peau. Je vous disais dans la vidéo sur mon calendrier de course que je voulais battre mon record personnel sur 10 km à Saint-Médard le 19 mars. Mais c'est dans moins d'un mois et je pense que c'est bien trop tôt. J'y viens de faire une seule séance P 10 km, donc je vais me laisser un peu plus de temps pour cet objectif qui me tient à cœur. J'irai quand même sur la course, mais ce sera en tant que lièvre pour accompagner mon pote Nabil que j'avais emmené sous les 20 minutes aux 5 km de Pessac en octobre 2022. Et cette fois, on va chercher le sub 40 sur 10 km, ce sera évidemment l'occasion d'une belle vidéo en immersion, une immersion qui va quand même aller très vite. De mon côté, j'ai très 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 envie de réussir un seul objectif cette année finalement, c'est celui de passer ou du moins de flirter le plus possible avec la barrière des 3 heures sur marathon. C'est le seul des records personnels que j'ai vraiment envie de faire tomber. Ça fait des années que j'y pense, depuis mon premier en 2013 à vrai dire à Paris. Donc je me dis que l'année de mes 40 ans, fêter ma 10e année de marathonien, mon 10e marathon et mes 40 ans en faisant moins de 3 heures, ce serait vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet objectif aussi profondément ancré en moi. Autant mes RP sur 5, 10 et semi, ça ne me gênerait pas plus que ça, qui ne bouge pas. Autant celui sur marathon, il me hante. J'ai vraiment envie d'aller caresser la barrière mythique des 3 heures. Ce serait pour moi un vrai accomplissement. J'ai l'impression que je pourrais me dire, ok, c'est bon, je l'ai fait, je peux mourir tranquille. Un peu comme Thierry Roland en 98, après la victoire de la France en Coupe du Monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... on peut. Peut-être parce que c'est un chrono mythique. Peut-être parce que mon père a déjà couru le marathon en 3h07 et que je veux faire encore mieux. Peut-être que j'ai envie de faire quelque chose d'énorme, tout simplement. Et de me mettre un objectif super élevé pour me donner les moyens d'y parvenir. Peut-être aussi parce qu'Émile Zatopek, célèbre athlète, quadruple champion olympique, a dit un jour « Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. » Et je crois qu'il avait vraiment tout compris. Alors je sais, je mise beaucoup dessus, ça va me mettre beaucoup de pression pendant 3 mois, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir sous pression pour être au top au quotidien. Si je ne me mets pas une grosse pression, je ne vais pas assurer niveau récup, niveau nutrition, je vais me faire des paquets de Kit Kat Ball devant la téloche avec ma fille. Niveau apéro, ça va être charcut de fromage à tout va. Niveau sommeil, ce sera donc forcément moins bon et la préparation va en pâtir. Là, je veux vraiment impliquer ma famille, mes proches, mes amis, et vous? Parce que j'ai besoin de sentir une équipe autour de moi, autour de ce projet qui me tient vraiment à cœur. Côté calendrier, je vais rester sur le semi de Sissac le 1er mai. C'est un semi que je courrai allure marathon, une sorte de répétition du jour J presque 4 semaines avant. Que ce soit pour tester la stratégie de course, l'allure, l'échauffement, la nutrition avant et pendant l'épreuve et l'équipement. Je pense que vous l'avez compris, je vais vous faire vivre ma préparation au plus près dans des vidéos dédiées. C'était le premier épisode d'Objectif 3, ma préparation pour le marathon de Royan. Dans le prochain épisode, je vous présente mon plan de bataille sur 13 semaines pour réussir cet objectif. Alors, abonnez-vous. Sportez-vous bien les athlètes. À très vite. Ciao, ciao.